Le but de cet exercice pour l'armée française, c'est tout simplement d'aguerrir ses parachutistes au saut sur plan d'eau. Donc le saut sur plan d'eau consiste en fait au largage de parachutistes, aujourd'hui 10 parachutistes. Donc vous avez vu 3 passages aujourd'hui, donc un premier passage avec 6 parachutistes et 2 colis. Donc les colis en fait c'est tout simplement des bateaux qu'on a confectionnés d'une certaine façon pour pouvoir les larguer de l'avion. Voilà. Donc ça c'était le premier passage. Le deuxième passage vous avez vu la même chose avec cette fois 4 parachutistes et le dernier passage simplement un colis seul avec de l'essence. Ce qu'on ne ferait pas en réel, mais ce qui est important à l'exercice, c'est de récupérer les voiles qui sinon tombent dans l'eau. Donc les Coast Guard, l'appui médical était fourni par les Coast Guard et pour récupérer toutes nos voiles qui sinon allaient finir au fond du lagon. Et après pour les parachutistes, le but c'est de rassembler donc les 2 colis, de se rassembler et en fait de monter les bateaux. Une fois que les bateaux sont prêts à être utilisés, on démarre le moteur et on part sur normalement une infiltration. Donc une infiltration tout simplement pour aller faire une action terrestre derrière. Voilà, donc là le but c'était vraiment de travailler à Maurice avec le partenariat Coast Guard mauricien, ce qui a été fait avec une grande réussite, hein, voilà, donc aucun problème sur de la préparation jusqu'au montage des bateaux. Donc grande réussite pour cet exercice. Donc pourquoi Maurice et pas à l'île sûre, à La Réunion? Alors pourquoi pas à La Réunion? Tout simplement parce qu'actuellement sur l'île de La Réunion, avec les arrêtés préfectoraux, on est interdit de faire des sauts sur plan d'eau, tout simplement à cause du risque requin. Voilà, donc on est obligé à chaque fois de se déplacer à l'étranger. Et pour aller plus loin, notamment pour Comoris, tout simplement pour continuer notre partenariat, on a déjà travaillé avec les Coast Guard auparavant, on a déjà travaillé avec les Marcos et le GIPM, on a des actions de partenariat fortes avec Maurice et sur lesquelles on veut continuer à insister et à entretenir. Aujourd'hui, nous faisons l'exercice en Sintera, coopération entre Maurice et la France, en parachutiste, deuxième régiment de la base à La Réunion. Nous faisons l'exercice sur la mer. Ça veut dire un avion muni sur de la Rio, Casa. Nous faisons 9 parachutistes en sauté en 3 reprises. L'opération va passer bien, passer une passe correcte. À Serra, on fait que là, à Serra, maintenant, il y a 16 ans, on va se prendre l'équipement pour avoir pris, pour aller à côte, et mis la base pour la Rio. Est-ce que vous avez une unité qui est une partie de l'opération? L'unité est la Coast Guard, la Vanrique de la police, la SMF, l'ambulance, la DNC Guard, la Season pour avoir un transport, un camion, un transport d'un équipement, matériel, etc. Et la GIPM aussi.